بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sachez que la résurrection est la sortie des morts des tombes après la reconstitution du corps que la terre avait assimilé, s'il fait partie des corps que la terre assimile. Ce sont les corps d'autres que les prophètes, les martyrs morts à cause du combat, certains saints, également la terre n'assimile pas leur corps. Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Hajj, verset numéro 7, ce qui signifie « Et l'heure viendra, il n'y a pas de doute à son sujet, et Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. » Tandis que le rassemblement est la conduite de ceux qui sortent des tombes vers le lieu du rassemblement. Les gens au rassemblement seront dans trois situations différentes. Une partie d'entre eux seront vêtus, installés sur des montures, et rassasiés, et ce sont les pieux musulmans. Une autre partie d'entre eux seront pieds nus et dévêtus, ce sont les grands pécheurs. Et une dernière partie d'entre eux seront pieds nus, dévêtus, traînés sur leur visage, et ce sont les mécréants. Les hommes seront assemblés, et également les djinns et les bêtes. Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, verset numéro 203, ce qui signifie « Et craignez Allah et sachez que vous serez assemblés après la mort. » Subhanallah, walhamdulillahi rabbil alameen.